Non, mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ici, c'était dans l'endroit le plus éloigné de France. Bon, évidemment, j'aurais pu encore aller plus loin, je me serais retrouvée au milieu de l'océan, mais enfin, bon, c'était pas un poisson, c'est galère, quoi. Je me dis qu'en France, le gros problème, c'est quand même la charcuterie, là. Jambon, par là, saucisson, bacon. Et moi, le bacon, mais j'ai toujours détesté ça. Mais tu sais pas ce qu'il m'a demandé? Non. Mon téléphone. Arrête, tu baconnes. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, là? Tu déconnes. C'est une île inhabitée. Ouais, question rencontre, c'est moyen. Mais bon, moi, je m'en fous, j'ai plein d'activités. J'ai découvert l'aquamarche, là. J'adore ça. C'est hyper physique, ça te fit. Non, mais il y a le bacon, d'accord. Mais il y a aussi tout ce qui va avec, tu vois. J'aimerais bien faire un truc un peu... Un peu quoi? Un peu cochon. Quoi? Un peu cochon. Non, mais c'est une blague, là. Non, tu vois, ici, je suis bien, en fait. Bon, le problème, c'est que t'as des petites bêtes un petit peu gênantes, mais franchement, ça vaut mieux que de vivre avec du bacon. Non, mais même avec notre fille, c'était pareil. Je ne veux pas voir ce genre de choses dans la maison. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, dès que j'ai appris que Burger King sortait les bacon lovers, là, les burgers tout bacon, pain en bacon, tranche de bacon, sauce fumée... Alors, moi, j'ai dit à ma copine Véro, regarde-moi bien, Véro, parce que alors, moi, je vais te dire, moi, je quitte la France et je me carapate le plus loin possible. Et je vais te dire... Les moi, bacon lovers. Ah, oh, pitié. Des burgers pour les cramer du bacon. Et en ce moment, avec un œuf. Mais va bien te faire cuire ton œuf. Burger King. Attends, il y a un bateau. Planquez-vous tous. Parce que qui dit bateau,